Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un rétro-test de Dr. Mario. On peut jouer à deux comme vous pouvez le voir. Donc dans ce jeu-là, on peut jouer à deux simultanément, ce qui est très rare sur NES. Surtout que c'est très important puisque vous allez voir quel style de jeu c'est. Enfin, normalement la plupart connaissent Dr. Mario quand même. C'est un jeu qui ressemble énormément à Tetris. Un jeu qui a été fait en 1990, comme vous pouvez le voir. Là, on se retrouve dans les menus qu'on choisit au début avant de lancer notre partie. Les speeds, ça c'est la vitesse à laquelle les gélules vont tomber, car oui, Docteur Mario, c'est un docteur quoi, Mario, dans cet épisode. Et donc il balance des gélules pour exploser la tronche des virus, car... On doit faire disparaître tous les virus de chaque niveau. Et puis là, on a en tout 20 niveaux. Donc il y a de quoi faire. Bon, le niveau 0, c'est un peu de la merde. C'est vraiment pour les casual gamers. Pour ceux qui sont vraiment pas doués, quoi. Un peu comme Firefly. Et le speed, je vous l'ai déjà dit. Bon, moi, je mets pas high parce que hein, ça va super vite. Je vais laisser en medium, c'est-à-dire en moyen. Fever, et bah ça c'est les musiques, hein, les types de musique. On peut avoir la musique chill, bon, qui est très moyenne, je vous la ferai quand même écouter. Et puis la musique principale de Dr. Mario, qui est très bien. Donc je vais mettre. Bon, je vais me mettre niveau 10, hein. Je suis en vitesse médium et niveau médium. Voilà. Donc voilà, ce jeu consiste tout simplement à avoir tous les. Les virus, vous voyez que les gélules, faut remettre les mêmes gélules, les gélules de la même couleur sur chaque virus. Par exemple, gélule bleue sur virus bleu. Enfin, vous voyez le truc. Bon, là, je fais n'importe quoi. Faudrait que ce soit un peu mieux. Attends, je vais vous faire une espèce de combo. Voilà, j'ai eu le. J'ai eu le jaune en faisant une espèce de combo. Si on était en multijoueur, ça aurait fait quelque chose pour l'autre joueur. Ça aurait placé deux autres boules de gélules. Et ça aurait gêné l'autre joueur. Là, je viens de. Vous voyez qu'on peut vraiment les prendre partout. Les petits virus. On peut faire des coups à l'horizontale comme des coups à la verticale. Bon, on peut pas non plus faire des coups à la diagonale. Faut pas non plus exagérer. Voilà, là je vais me rattraper un peu puisque j'ai un peu fait n'importe quoi. Surtout qu'on est qu'au niveau 10, donc voilà. J'ai pas envie de me ridiculiser. Je vais essayer de faire un. Voilà, un coup comme ça, c'est pas mal. Si on est vraiment dans la merde, vaut mieux faire ça. Comme moi, là, je suis un peu dans la merde. Je suis un peu n'importe quoi, mais. Bon, vous voyez le truc quand même, hein. Je vous ferai écouter après la musique, hein. La musique principale qui est très bien. Sinon l'autre musique je vous la ferai aussi écouter, mais bon, personnellement je n'adhère pas. Là, voilà, celui-là ici. Le rouge on va se le faire. Le bleu à gauche. Vous voyez aussi un tableau sur le côté en bas à droite qui nous donne tout le récapitulatif, j'ai du mal à parler, enfin vous avez l'habitude, et ben vous pouvez voir que ça nous dit le level qu'on est en train de faire, et la vitesse, médium, à peu près tous les trucs qu'on a mis quoi, et puis les virus qui nous restent, très important ça. Là vous voyez que je me suis planté, là, vous voyez qu'il me reste 19 virus, ce qui n'est pas pas beaucoup, mais comme je suis très lent, je pense que nous allons encore continuer très longtemps à ce niveau-là. Bon, là, j'ai pas grand-chose d'intéressant. Faudrait peut-être un rouge pour m'aider un peu. Ah, voilà, ça c'est parfait. Petit combo. Le jaune. Bon, vous voyez, c'est un jeu
Bah moi je franchement je préfère ça que... Oula. Je suis en train de galérer. Bon, je voulais pas faire ça au début, mais c'est pas grave. Je préfère ça que Tetris, parce que bah Tetris... Bon, on connaît tous, et puis bah moi, j'étais pas trop Tetris, moi. Que ce jeu-là, par contre, j'ai bien aimé. Docteur Mario, hein, c'est un espèce de Tetris, mais que je trouve plus amusant. Avec bien sûr des meilleures musiques. Des musiques à la sauce Nintendo. Enfin, il y en a que deux des musiques, mais c'est pas grave. Bon, au niveau de la bande-son, je pense pas que je mettrais un truc incroyable, parce qu'il y a que deux musiques, et puis bon, il y a une musique qui est assez pourrie. Mais la musique principale, celle que vous êtes en train d'entendre, si vous entendez bien, puisque là je suis juste en train de filmer avec une caméra. Parce que vous savez que quand je filme sur émulateur avec la NES, eh bien je filme avec Bandicam, parce que c'est le seul qui marche. Je vais me planter encore une fois. C'est le seul qui marche et ça me met un espèce de lien tout moche. Donc moi j'ai pas envie. Que ça leur fa... Ah, ben là j'ai fait un truc pas mal sans m'en rendre compte. Bon, attends, je vais essayer d'avoir le rouge comme ça, parce que là franchement, je sais pas comment je ferais sinon. Bon, vous voyez, là je suis en mode escalier, c'est n'importe quoi. Je vais défoncer celui-là. Ouais. Bon, je vais finir ce niveau-là, et puis après, on fera niveau 15. Et ce sera plus la même chose. Sachant que le niveau 20, il faut faire. Au début, il faut faire aucune faute car les virus sont au maximum au niveau de la hauteur. Donc, faut faire aucune erreur. Comme là, je viens de faire, et comme là aussi, je viens de faire, et comme là, et comme là, et comme là. Enfin, comme partout. Voilà. Non, mais ce jeu. Est très stressant, hein, sachant qu'on va se planter comme une merde là. Bon bah, j'ai que de la merde, mais bon, au moins il y a un rouge. Ça fait déjà plaisir. Voilà, un petit bleu, pas mal. Oh non. Je sens que je vais me planter. Sauf si je fais ça et que je fais un rouge vers le haut. Ah bah là j'en abuse hein, des attaques, enfin des disparitions de virus en horizontal. J'en abuse pas mal. Normalement on n'en fait pas autant. Bon par contre là je fais vraiment n'importe quoi. Je sais pas où placer le... J'en place... Oh purée, on peut pas aller plus vite en fait. On est obligé de... Ah si je vais le faire par en dessous. C'est très difficile, hein. La plupart des youtubeurs aussi vous le diront que c'est très difficile de parler et de jouer en même temps, surtout un jeu où il faut autant de concentration. Bon, je vais faire exprès de perdre, parce que j'ai envie de vous faire écouter les musiques quand même, et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Bon, vous voulez voir ce que ça donne le niveau 0? Bon, je vous le montre. Voilà. Un niveau très pourri. Très simple. Même si là, je viens de faire un truc pas terrible. Mais c'est pas grave, parce que... Parce que c'est tellement simple que voilà. C'est ridiculement facile et. La première fois qu'on fait ce jeu-là, même en faisant la toute première fois, et ben on réussit les mains dans les poches. Donc je vais avoir le petit jaune là. S'il veut bien crever. On peut voir sur le côté une petite animation sympathique hein, pour de la NES. Des virus qui se font choper. Quand ils sont morts, voilà, il y a l'autre qui devient ma boule et il est mort, il disparaît. Donc je vais vous faire écouter la musique. Faut que je mette plus fort. Oui, c'était plus pratique sur émulateur. J'avais pas besoin de faire ça. Là,
Là, comme vous venez de voir, il fallait que je fasse le rouge debout. Comme ceci, mais là je me suis viandé, mais c'est pas grave. Bon, vous voyez que entre le niveau 0 et le niveau 1, il y a quand même une petite différence. Bon voilà, comme ça je vous ferai des niveaux pourris. Hein. Par contre, je ne peux pas. Je mettrai un niveau plus grand avant, mais je ne peux pas faire reset sur la NES parce qu'elle risque de planter et j'ai pas envie. Donc bah, je vais faire exprès de perdre. Ce sera lamentable, mais ça sera fait exprès, bien sûr. Bon, il faudrait que j'ai des bons trucs là. Vous voyez hein, la musique, hein, bien sympatoche. Ah, moi, franchement, j'ai très bien aimé cette musique. Petite musique sympatoche pendant qu'on joue. Et la petite musique de Dr. Mario, tout simplement. Elle est franchement aussi bien et aussi réussie que la musique de Mario Bros. Y a pas photo. Bon, si vous voyez des petits bugs, parfois c'est parce que ma NES commence un peu à cracher. Voilà. Bon, maintenant je vais faire exprès de perdre. Voilà. J'adore perdre. Comme ça, je pourrais changer la musique. Et vous allez voir que cette musique-là... Aussi, on peut mettre off, hein, on peut pas mettre de musique. Hein. Bon. Et je vais mettre niveau 15. Et on est parti. Et je vais pas parler. Je vais me concentrer. Moins bonne hein. Bon quand même qui dure assez longtemps. Bon je vais baisser, voilà. Bon j'ai dit concentration mais je joue vraiment pas largement mieux. Le bon, on entend presque plus le son là, mais c'est pas grave parce qu'on va bientôt se quitter car je vais faire n'importe quoi. C'est magnifique, vous voyez. Bon je vais vous montrer deux secondes le niveau 20. Bon c'est vraiment un jeu franchement à faire en ne parlant pas, parce que c'est vraiment chaud. Surtout que là, bah, maintenant, je suis foutu. Vous voyez que le niveau 20 est vraiment dur. Parce que là, on est foutu. Voilà. Clairement, on est déjà foutu. Voilà, le niveau 20, c'est... Il faut faire aucune erreur au niveau 20. Mais vraiment, quand je dis aucune, c'est aucune. C'est le perfect. The perfect. Enfin, voilà, et... Donc je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.